ici, c'est ça qu'il a dit dans Nombre, chapitre 36, au verset 6 à 9. Bible en français courant. Voici donc ce que le Seigneur ordonne concernant les filles de Sélophade. Elles pourront épouser qui bon leur semblera, virgule, à condition que ce soit quelqu'un d'un clan de leur tribu paternelle. Ainsi, les terres d'Israël ne passeront pas d'une tribu à une autre. Point, virgule. Chaque Israélite restera fermement attaché au territoire de sa tribu. Il y a point ici. Si dans l'une des tribus, une femme reçoit des terres en héritage, virgule, elle devra épouser quelqu'un d'un clan de sa tribu paternelle, afin que chaque tribu d'Israël conserve le territoire reçu de ses ancêtres. Virgule. De cette manière, les terres ne passeront pas d'une tribu à une autre. Chaque tribu d'Israël restera fermement attachée à son territoire. Il y a point ici. Donc, vous ne devez pas ignorer qu'il y a aussi beaucoup d'autres problèmes. En gros, le but de cette vidéo aussi, c'est quoi? C'est pour vous avertir que dans chaque chose que vous faites, il y a des esprits derrière, il y a les démons derrière. Il y a les démons, c'est les démons qui sont derrière pour vous, pour semer la zizanie, le désordre, ouvrir les portes d'entrée. Il y a des personnes qui vont, de cette tribu-ci, de cette tribu, il va se marier avec une fille d'une autre tribu. Et la fille de l'autre tribu, quand elle va se marier avec cet homme-ci de cette tribu, cet homme a des richesses, tout ça là. Maintenant, cet homme meurt. Il lègue l'héritage, on va dire, à la fille, à la femme. Ou bien, ils ne se sont même pas mariés. Puisque physiquement, bon, ils ne sont pas allés se marier, mais ils vivent avec cette femme. La belle famille savait qu'ils vivaient ensemble. Ils ont même eu des enfants. Et quand le mari décède, la belle famille vient, il dit, il faut que tu dégages de cette terre-là. Il faut que tu sortes de cette maison-là. Vous voyez? Oui, mais c'est la maison de mon mari. Où est l'acte de mariage? Mais deux fois même, il y a souvent l'acte de mariage. On vous fait sortir de la maison parce que les gens ne connaissent pas la loi. Et ce sont les démons qui sont derrière. Les démons sont derrière. Ils opèrent. Et je prends aussi, on va prendre l'exemple, quelqu'un, on va dire, quelqu'un peut être un Yaoundé, qui vient de Yaoundé, c'est un Yaoundé, parce que chez les Yaoundé, il y a beaucoup de branches. Ou bien quelqu'un est Bamileke, ou tu peux être Bamileke, tu peux être du Nord, quelqu'un du Nord, il va peut-être épouser, c'est un exemple, quelqu'un qui est au Nord, il épouse une fille Yaoundé. Et maintenant, la fille Yaoundé va hériter de tous les biens que le monsieur du Nord a. Et le jour où le monsieur du Nord va mourir, forcément tous les biens, les territoires, les terres que le monsieur du Nord a, c'est maintenant la famille de la femme Yaoundé qui va venir s'installer, qui pourront s'installer et prendre aussi des terres. Parce qu'elle, tout ça, elle ne va pas habiter sur toutes ces terres-là. Et ça va créer maintenant ce qu'on appelle la rancœur chez les gens du Nord en disant, mais ça, ce sont les étrangers, c'est d'autres personnes qui viennent de là-bas. Pourquoi ils prennent nos terres? Vous voyez? Alors que nous savons que c'est une seule et même famille, c'est un seul peuple. C'est un seul peuple. Parce que les démons sont derrière. Les esprits sont derrière. Et on va vous expliquer ici. C'est pour ça que pour que ça n'arrive pas, c'est pour ça que j'ai lu dans 1 roi. C'est pour ça que j'ai lu dans Nombre 36, au verset 6 à 9, Bible en face au courant. Voici ce que le Seigneur ordonne concernant les filles de Sélophade. Elles pourront épouser qui bon les semblera, à condition que ce soit quelqu'un de leurs clans, de la tribu paternelle. Vous voyez? Ainsi, les terres d'Israël ne passeront pas d'une tribu à une autre. Point virgule. Chaque Israélite restera fermement attaché au territoire de sa tribu. Si dans une des tribus, une femme reçoit des terres en héritage, elle devra épouser quelqu'un d'un clan de sa tribu paternelle.
afin que chaque tribu d'Israël et d'Israélite conserve le territoire reçu de ses ancêtres. De cette manière, les terres ne passeront pas d'une tribu à une autre. Chaque tribu d'Israël restera fermement attachée à son territoire. Tout ceci, cette loi-ci a existé, c'était à cause de la dureté des cœurs des non-initiés, de beaucoup de personnes, même des non-initiés graciés qui n'avaient pas encore compris le mystère de l'unification. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que un Bamoun, on va dire au Cameroun, un Bamoun peut se marier avec un Bamoun se marie peut-être avec une fille Bassa. Et le Bamoun là a beaucoup de terres, des territoires, il a des hectares, il a des richesses. Et la fille Bassa se marie, c'est officiel, tout. Les belles familles se rencontrent, bref. Et un jour le Bamoun il décède. Qu'est-ce qui va se passer après? Deux fois, c'est ce qui arrive la plupart. La famille des Bamoun veulent arracher les terres à la fille. À la fille Bassa, à la femme Bassa, parce qu'ils vont se dire c'est une étrangère. Vous voyez? Parce que ce sont les non-initiés qui réfléchissent ainsi. Or, les initiés ne réfléchissent pas ainsi. Puisqu'ils savent qu'ils sont tous frères, ils descendent tous d'une seule et même personne. Vous voyez? Mais maintenant, pour que ce genre de choses n'arrivent pas, c'est pour ça qu'il y a des règles